Alpes-Perchées vous emmène à la découverte des stations les plus emblématiques des Alpes. Au programme, un parc national, des animaux protégés et des challenges sportifs. Alors accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux! Tralognan-la-Vanoise est une petite station de ski située en Savoie. Elle a un cachet fou et c'est surtout le paradis pour les amateurs de faune et de flore. Pour le faire découvrir, j'ai rendez-vous avec Sébastien dit Bastoun, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. Salut Bastoun. Ça va? Tu vas bien? Très bien, et toi? Bienvenue à Tralognan, en Tarentaise. Tu es né ici, toi? Ah, je suis originaire d'ici, voilà, 45 ans que j'habite là. Elle est quand même réputée en fait, cette station. Oui, elle a été réputée notamment pour l'été, hein, avec en 1860 la première ascension de la Grande Casse. D'accord. Par Matthews. Ouais. Et c'est vrai que ça a donné un essor à Pralognan pour toute la fréquentation qu'il y avait pour la pratique de la randonnée avec les glaciers, mais aussi la promenade familiale. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts. Il y a pour ceux qui aiment l'été comme l'hiver. Tu as plein d'activités toute l'année. C'est vrai qu'on n'a pas de nombreux kilomètres de piste. Par contre, il y a de quoi se faire plaisir. Et c'est ça que la clientèle recherche à Pralognan, ce côté sauvage et naturel. Voilà, Sandy, je t'amène sur un autre point de vue qui est encore plus fabuleux, puisqu'en plus là... Et puis c'est vertigineux. C'est vertigineux, avec cette vue sur Pralognan, cette vue sur la Grande Casse qui est derrière nous, hein, qui est à 3855 mètres, le plus haut sommet de Savoie. Okay. 107 sommets de plus de 3000 mètres dans le parc de la Vanoise, dont 30 sur la commune de Pralognan. Donc ça peut te montrer un peu les hauteurs qu'il y a autour de nous. Ouais. C'est vrai que d'ici, on peut s'en rendre compte aussi. Et du coup, alors, le parc s'étend de l'aiguille qu'on voit en face de la Grande Casse jusqu'au glacier. Un petit peu plus à gauche, hein, la pointe de la Glière, et qui enveloppe toute la calotte glaciaire, 7 km de zone glaciaire jusqu'au glacier de Pecquelet-Polsay. Alors, Pralognan, c'est la porte d'entrée du parc national de la Vanoise. Tout à fait. Le premier parc créé en France en 1963, d'une superficie de 55 000 hectares. D'accord. Alors, c'est vrai qu'avant la création du parc de la Vanoise, il restait à peu près 100 bouquetins. Et c'est vrai que 60 ans après, il y a plus de 4 000 animaux qui sont dans le parc de la Vanoise. Donc, ça a été très bénéfique pour cette race-là. Et on peut voir tous les animaux. Hein. Aujourd'hui, tu as du chamois, tu as du chevreuil. Tu as du cerf qui vivent aussi à très haute altitude, la marmotte, l'aigle. Peux voir des aigles aussi. On a l'aigle aussi, l'aigle royal qui est sur la commune de Pralognan. C'est pas un bouquetin que je vois là au-dessus. Ah oui, oui, oui. Des deux je pierres, crois regarde. Que. Attends, je vais mettre un coup de jumelle. Effectivement, un beau bouquetin mâle. Tu peux voir? Regarde, sous la pierre, hein, tu l'as très bien vu à l'œil nu. Avec les jumelles, tu devrais t'en sortir. Voilà. Ah, c'est superbe. Bah écoute, je l'ai vu de loin en tout cas, je crois que j'ai eu de la chance, mais... tu as l'œil montagnard. Bon, ça va alors. Bonjour. Je cherche. Ah oui, il y en a une là-bas sous le caillou. Où ça? Là-bas? Voilà, tu vois le plus gros caillou qu'il y a dans le pierrier. Et bah, tu regardes 5 mètres en dessous, dans l'axe de toi. Elle est en train de se faire bronzer sur un caillou. Elle est trop mignonne. Ah, il y en a une deuxième à côté. Il est mignon comme tout, ce petit hameau. Petit hameau qui est à partir au village de Pralognan. Il y a plusieurs hameaux. Il y a le hameau des Fontanettes, le hameau de la Croix, le hameau des Priots, qui sont un peu excentrés, mais qui étaient des lieux d'agriculture à l'époque, hein, où les agriculteurs venaient avec leurs bêtes pour pâturer les prés qui étaient autour. Et c'est le nom Pralognan vient de ça. Hein. Le diminutif était à l'époque les prés éloignés. C'est du patois, en fait. En patois, c'est ça, voilà. Pralognan. Pralognan, okay. Les prés éloignés. Et puis toutes les maisons se ressemblent, je suppose qu'en fait il y a vraiment des règles à respecter. C'est mur en pierre et
et toi en tôle ou en bois, quoi. Tout à fait, c'est vrai qu'à l'époque, les matériaux utilisés étaient la pierre, comme dans beaucoup d'endroits. Les toits étaient faits en lauze ou en tavaillon, avec ce qu'ils trouvaient à l'époque. Et c'est vrai qu'on a su préserver aussi ces hameaux de village qui ont été réhabilités forcément, mais qui ont été réhabilités intelligemment en préservant la nature. J'ai l'impression que tout le monde se connaît ici. Oui, petit village, 700 habitants. Aujourd'hui, tout le monde est capable de mettre un nom sur un visage. Et puis, je vais te montrer qu'on a su aussi préserver nos traditions à Pralognan. Je vais t'emmener voir monsieur Maurice. C'est là ? C'est ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maurice. Bonjour jeune homme. Je te présente Sandy. Sandy qui veut découvrir ton métier, ta passion, hein, qui est la gravure sur bois, avec un opinel, qui est un couteau, le couteau savoyard. Je vous regarde Maurice alors. La première coupe, c'est toujours la plus dangereuse, faut la faire en premier. C'est très précis comme geste, hein, parce qu'on ne veut pas sortir du dessin. Maurice donne des cours l'été, donc de gravure sur bois. Ah oui ? Et tous les dons qui sont récoltés sont redonnés à l'église de Pralognan pour payer les vitraux. D'accord. Bah, c'est généreux tout ça. Et je peux essayer moi alors ? Bien sûr. Ah oui. Alors, on tient le couteau comme un crayon. Ok. Et la main sur la table. Allez, bien. Allez-y. Ah, je l'élève un peu là. C'est ah. Pas... Ah, c'est... Alors après, on tourne et on prend dans l'autre sens. Comme ça. Vous partez, vous allez jusqu'au bout. Voilà. C'est bon ça. Regarde avec un peu d'entraînement. Vous faites ça depuis combien de temps, Maurice ? Depuis que je suis à la retraite. D'accord, donc quoi, 20 ans ? Non, 30 ans. J'ai 87 ans, faites le compte. Et vous étiez dans le bois déjà ? Vous étiez non, ébéniste ? Non, non. Non ? Mais ici, à Pralognan, on est presque tous nés avec un bout de bois au bout du nez. Ah, c'est drôle, ça. Ah oui, ça, c'est sûr. Merci beaucoup pour cette initiation, du coup, à l'opinel. Ouais. Voilà, j'ai fait ma première petite rosace, j'ai fait ma première petite pétale. À bientôt, Maurice. Ouais, bientôt. On y va ? Allez, on y va. Ben, bonne soirée, mes enfants. Au revoir. Au revoir. Il est excellent, Maurice. Ah, c'était sympa, hein. C'est une belle découverte. Quel personnage. Tu sais que Pralognan a été capitale du curling pendant les Jeux d'Albertville ? Non, tu me l'apprends. Donc c'était un sport de démonstration et qui est devenu olympique par la suite. Tu m'emmènes faire du curling ? Maintenant, je t'emmène découvrir le curling. Ça va être drôle. Ah, on peut rigoler parce que j'ai jamais joué non plus. Alors les règles, les buts du jeu, chef ? Il nous faut... Un balai spécial curling. Ouais. Une pierre. De 19 kilos. Envoyez la pierre dans la maison qui se trouve à 42 mètres sous le bouquetin qui se trouve là-bas au fond. Ok, bon, on va essayer. Eh bien, bien sûr, on va essayer. Ça bouge à Pralo. Ces dernières années, le trail est devenu le sport en vogue dans les Alpes. Chaque été, Pralognan-la-Vanoise organise le Tour de la Grande Casse, une des plus vieilles et des plus belles courses en montagne. Pour me parler de cette épreuve, j'ai rendez-vous avec Sigrid, une spécialiste de la discipline. Go ! Bonjour Sigrid ! Bonjour Sandy ! Il y a de l'ambiance ! Carrément, ça commence à venir là. Bah, écoute, ça va nous réveiller. Très bien, ouais. Bon, raconte-moi, Sigrid, il est 3h20 du matin et je vois des gens qui sont prêts à courir et ils s'échauffent, là. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, écoute, Sandy, on est au beau milieu d'un des plus grands événements de Pralo sur l'été. Hein. C'est l'organisation, en fait, du TGC, c'est le Tour de la Grande Casse. Ils vont partir pour la bagatelle de 65 km. Oh, une bagatelle ! Une bagatelle. Écoute. Et ça, c'est pas tout. C'est que si c'était à plat, ce serait une partie de plaisir, mais ils vont faire 3850 mètres de dénivelé. Positive, ça veut dire que 3850 mètres d'escalier en clair. Et du coup ça va monter tout le temps ou alors ça va être un petit peu ballonné comme ça de...
est haut en bas. Les coureurs vont déjà partir là pour 1000 mètres sur 6 km, 1000 mètres de dénivelé positif, donc ça va bien les mettre dedans. Et ensuite, voilà, ce sera vallonné, des plats, des relances, des descentes qui cassent pas mal. Pour les plus rapides, ils vont mettre combien de temps pour faire les 64 km ? Alors les plus rapides vont mettre plus de 7 heures. Ah ouais. Par contre, la queue de peloton va mettre le double, voire un petit peu plus. Bon, ils sont en train de se mettre en place. Je crois qu'au moins, ce qu'on peut faire, toi et moi, c'est de les encourager un petit peu. Hein. Exactement. On fait ça. Va. Allez. On est prêts. Allez. 4, 3, 2, 1. Allez. C'est parti. Allez. Ça monte derrière. Comparé à une course qu'on va faire en plaine sur le bitume, eh bien là on est en pleine nature, on en prend plein la vue de tous les côtés. Ouais. Et en fait là sur le TGC on est dans un des plus beaux trails de France. Ah, quoi, il y a vraiment une bonne ambiance entre eux. Les premiers vont jouer la gagne certes, mais ça reste vraiment un milieu où tout le monde va partager, ouais, et, bon du premier au dernier, très bon enfant. Ouais. Ouais, le plus gros est derrière. Hein. Franchement, bravo. Hop. Bonjour, bonjour. Coca ou de l'eau ? De l'eau, s'il vous plaît. Hop, ah ouais. Pralognan, c'est vraiment une terre de trail et de courses. J'ai l'impression que vous organisez plein d'événements toute l'année. On organise deux gros week-ends en été de trail. Ensuite, toute l'année, on va avoir des parcours fixes qui sont tracés, en fait, plus de 90 km où on peut s'entraîner. Il y a toutes les distances, il y en a pour tous les niveaux, de 5 km à 26 km. Donc alors après, tout le monde peut venir fouler un petit peu les sentiers, commencer à s'y mettre. Ça m'impressionne, hein, franchement, vous m'impressionnez tous, hein, franchement. Je suppose qu'il y a des techniques, non ? Il y a des techniques, bien sûr, pour appréhender le trail, appréhender le terrain, gérer son effort. Et ça, je vais te montrer de quoi il retourne. Allez, go, je te Allez, suis. C'est parti. Courage ! Il ne faut pas croire, en fait, et arriver avec cette idée qu'en trail, on va devoir forcément courir de partout. Quand ça va devenir raide et que les jambes commencent à fatiguer, on marche, on fait de la marche rapide. Donc, je t'ai donné comme des là, bâtons. En fait. Là, ça Exactement. Devient un petit peu plus raide. Si c'est un petit peu trop raide, ça dépend pour qui, hein, forcément. Ça va être au niveau musculaire qu'on va le sentir. Dès que ça va devenir un petit peu trop raide, on va venir amener des bâtons, un appui sur les bâtons. Ah ouais. Et moi, si je n'ai pas de bâton, eh bien, je vais utiliser mes mains, je vais les mettre sur les genoux. Et comme ça, on va pouvoir marcher d'une façon plus efficace et plus rapide. D'accord. D'accord ? Alors, pour la descente, Sandy, on va faire un petit peu la technique du ski, sauf qu'on va écarter un peu ses bras, plier les genoux, gainer, et on y va. D'accord. Allez, on laisse aller. Wouhou ! Voilà. Ouais, il y a des trous, là. Hein. Je suis pas prête pour mon premier trail, mais ça va venir. Bravo! C'est là-bas! Ils sont combien à avoir pris le départ ce matin? Alors ce matin, ils étaient environ 200 à prendre le départ. Et tout le monde n'est pas encore arrivé, mais on peut considérer que 10% en gros vont abandonner, hein, dû à des petits bobos. Alors bah, tous les finishers, là, on va voir qu'en fait, ils ont vraiment une satisfaction, que ce soit les premiers qui arrivent tout frais ou alors même les derniers, des fois, qui ont vraiment du mal à arriver. Peut-être mais qui ont accompli ce truc. Voilà, exactement. Ouais, ils sont finishers, c'est l'essentiel. Hein. Ils vont repartir chez eux, des étoiles dans les yeux et la puis plein d'images. Voilà, c'est vraiment le summum. D'accord. Bon, nous, on n'a pas couru, mais je crois qu'on a quand même besoin d'un petit ravitaillement. On le mérite, non bah ouais, allez, on va un nous aussi. Allez, allons-y. La spécialité la plus connue de Pralognan est le Beaufort. Je pars à la rencontre de deux cousins inséparables. Le premier, c'est Gaël, un des derniers fromagers à le fabriquer de manière traditionnelle en été en alpage. Et ensuite, on sera rejoint par Julien, un chef étoilé qui va nous proposer une recette de plus originale. J'en ai déjà l'eau à la bouche.
Salut. Ça va? Ça va et toi? Super. Bon, on est sur ton alpage? Oui, voilà, on est sur l'alpage de Ritor. C'est rare en fait qu'un alpage soit dans un parc protégé ou pas? Ouais, on doit être. Je sais pas, on doit être 3-4 à être. À avoir notre troupeau dans le parc. Quoi. T'as combien de vaches? J'ai l'impression qu'il y en a vraiment pas mal. On a 100 laitières. Et alors qu'est-ce qu'on fait comme fromage avec ces vaches? On fait du Beaufort. Le fromage. Le fromage. On traite deux fois par jour et nous on fait du Beaufort chez d'alpage. Après chaque traite, on fabrique directement le Beaufort. D'accord, donc il peut pas être plus frais? Il est. On finit de traire une demi-heure après, il est dans le chaudron. Ouais. Ah, ça doit être super bon. Écoute, qu'est-ce que t'en penses si tu me montres un petit peu comment tu fais ça? Aucun problème. Voilà. Super. En fait, les beauforts, il faut les tourner, les saler et les frotter deux fois par semaine. Bon. Donc c'est simple. Si tu veux me donner un coup de main. Elle pèse combien, ces meules? Entre 30 et 40 kilos. Ouais, bon, ça te dérange pas si je te donne pas de coup de main? Ça va. Ça m'a l'air hyper lourd. Tu fais ton sport en même temps, quoi. C'est ma salle de muscu à moi. Donc le beaufort chez d'alpage. T'as les mêmes contraintes que le Beaufort, sauf que tu dois, en fait, t'es hyper limité dans le temps. En gros, c'est de juin à septembre. Tu dois très réfabriquer au-dessus de 1500 mètres d'altitude le lait d'un seul et même troupeau, fabriquer que du lait chaud, donc c'est-à-dire tout de suite après la terrette, tu vas fabriquer, donc deux fois par jour, et fabriquer de manière traditionnelle. Donc, je fais un autre fromage qu'on appelle le Sérac. Quand on a fini le Beaufort, dans le chaudron, il reste ce qu'on appelle le petit lait. Et avec le petit lait, on fait un autre fromage qu'on appelle le Sérac. C'est du bout de chocorse ou de la ricotta italienne. C'est plutôt un fromage frais? C'est un fromage qui est complètement frais. Bonjour Julien. Salut. Ça va? Et vous? Écoute, super. Je crois que tu as besoin de ça pour la recette. Bah, je crois, il n'y a pas grand-chose. On va faire un truc avec trois éléments, donc on a besoin de ça. Ouais. Tu connais le Sérac? Non, j'ai pas goûté encore, mais j'ai envie de le goûter. Et le Beaufort aussi, donc du coup, c'est parfait. Eh ben, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Vous êtes cousins tous les deux? Oui, moi je fabrique les produits et Julien les cuisine dans son restaurant étoilé à Tania. Bon, on se met à la recette alors? Bah, on essaye. Hein, c'est bon, et toi, tu viens pour la dégustation? Voilà, moi j'ai du boulot, je vous quitte. Ok, à toute. Ciao. Dans ce matin, en montant, j'ai eu une idée, je voulais faire le Beaufort sous toutes ses formes. Donc, tout ce qu'il y a dans le chaudron, mon cousin a fait le Beaufort, après il a fait le Sérac, et on va encore récupérer le petit lait. Là, tu vois, les bergers m'ont trouvé ce matin, c'est de la ciboulette sauvage qui est poussée un peu plus haut. Bon, elles sont un petit peu fanées, mais goûte les fleurs, en fait, ça a du goût. Et on va plutôt se servir de la... Tu vas mettre les fleurs plutôt? Ce sera meilleur. Un peu de poivre, du sirop de foin. Okay. Donc, tu vois, la recette, très simple. On va le présenter sous forme de ravioles. Ravioles ouvertes, parce que le Beaufort va remplacer la pâte, mais on ne va pas pouvoir le faire cuire comme une vraie raviole. Ce qui va nous faire une légère cuisson, c'est le petit lait chaud qu'on va mettre dessus. Tiens, regarde, t'as vu la crème qui remonte. Et là, on est vraiment dans le lait, quoi. Il n'y a que du lait dans ce plat. Ça, tu peux l'imaginer chez toi, tu le verses devant tes invités. Ça va nous faire fondre un peu le Beaufort. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, là, c'est une recette 100% les cousins mâchés, quoi. Hein. On peut pas faire, plus 100% famille. C'est vachement bon. T'as toutes les textures qui se mélangent, tous les goûts qu'on a rajoutés. Eh ben, c'était à tomber. Merci de ta visite. Et puis quand je le mettrai à la carte, je penserai à toi. Je reviendrai le manger à la Tania, c'est sûr. Voilà. Pralognan est surnommé le Petit Chamonix et il y a même un sommet qui s'appelle le Petit Mont Blanc. La station est idéale pour apprendre à grimper et j'ai justement rendez-vous avec Antoine, un guide haute montagne. Il m'attend là-bas, sur le rocher de la Fraîche. Salut Antoine! Salut Sandy, ça va? T'es en forme? J'ai hâte d'être là-haut avec toi. Ça va, t'es prête? Ouais. Attends, j'arrive. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Et toi? Ouais, je suis super excitée de monter aujourd'hui. Ça va être sympa. C'est ici que je retrouve mes élèves grimpeurs. Parce que c'est une falaise qui se prête très bien aux débutants et pour se perfectionner. D'accord. Et okay. Les falaises de toutes les hauteurs, de 10 mètres de haut jusqu'à 100 mètres. Donc, c'est la roche
typique de Pralognan ? Ouais, ça c'est du rocher calcaire. C'est un rocher qui est assez adhérent, assez abrasif. D'accord. Et aujourd'hui, tu m'emmènes où ? On va monter jusqu'à là-haut. Ça fait combien ? Tout au haut de la falaise, ça fait à peu près 100 mètres de haut. On y va ? Allez, d'abord on va s'équiper, puis on est parti. Hop. Alors moi, je vais partir premier, d'accord ? Parce que le guide reste toujours au-dessus. Ok. Et quand j'arriverai au relais, je te ferai monter, d'accord ? Mm-hmm. Donc ici, on va s'encorder. Tu vas devoir m'assurer avec un descendeur. Du coup, j'ai ta vie entre mes mains. Exactement. Ah, c'est ouais. Toi qui as ma vie entre tes mains et moi, j'ai la tienne entre les miennes. Ok. On part là-dessus. Ok, on fait attention, hein. Bon, on est parti ? Oui, oui. Ok, Sandy, relève haché. J'enlève le détendeur. Ouais, t'es quand tu veux. Ok. Voilà, impeccable. Alors, Sandy, il faut bien que tout soit sur tes pieds. Ouais. Ça marche ? Oui, oui. Le rocher, il est super adhérent, t'as vu, hein ? C'est vrai. Donc, faut bien avoir confiance. Ça va. Alors, souvent, quand tu te demandes où sont tes prises de main, c'est que le problème vient des pieds. Monter ses pieds de 20 cm, c'est trouver un mètre de prise. Ah, ça pousse bien dans les jambes, hein. C'est pas tant les bras. Oh. Bienvenue au premier relais. Wouhou ! Vous avez vraiment un beau panorama ici. Là-bas, la grande montagne qu'on voit, c'est le roc de la Valette. Tu peux l'escalader ? Tu peux l'escalader, il y a plusieurs voies d'escalade. Alors, ça, c'est pas pour les débutants. D'accord. C'est plutôt des voies qui font 400 mètres de haut et qui sont assez dures. D'accord. Et vous avez plusieurs niveaux d'escalade, en fait ? Il y a une échelle de cotation qui va de 3 jusqu'à 9, à peu près. Ce qu'on fait, c'est du 5. Du 9, ce serait des voies très déversantes, des petites prises. Et voilà, le 9, c'est vraiment le niveau extrême qui se fait. Mm-hmm. Il y a combien de parois comme ça à Pralognan ? Alors, à Pralognan, il y a plus d'une centaine de voies équipées. Alors, de la petite voie ici au Rocher de la Fraîche, aux grandes voies qu'il y a plus dans le massif, qui font entre 400, 500 mètres, voire 800 mètres. Et il y a aussi une salle d'escalade indoor. On peut pratiquer toute l'année. Ah, mais il y en a pour tous les goûts, alors. Il y en a pour tous les goûts et pour toute l'année. Là, tu vas voir, le rocher est un peu moins raide, mais plus lisse. Profites-en pour bien mettre tes pieds à plat, pour prendre confiance. D'accord. Alors, regarde, essaie de monter ton pied gauche un petit peu à gauche, sur l'autre versant. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Plutôt sous, voilà. Essaye comme ça. Yes ! Bien joué ! Oh, merci, c'était super. C'était trop bien. Ouais, ça m'a beaucoup plu. C'est un vrai challenge. Franchement, ouais. C'était super sympa. L'ascension, puis d'arriver au sommet comme ça. L'ascension, le sommet, avec la vue. C'est ce que t'aimes, toi, dans l'escalade ? Dans l'escalade, j'aime un peu tout. J'aime le dépassement de soi, le côté physique, le côté concentration. Et le partage aussi, je suppose. Le partage aussi, ouais, comme tu dis, qui est super important, de partager un moment avec son compagnon de cordée. Et puis surtout, je suppose, tous les sourires que t'as en haut des ascensions. Comme celui-là, par exemple. Les sourires qui sont quasiment toujours là. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir emmener des gens faire ça. Et faire des choses qu'ils ne feraient pas dans la vie de tous les jours. C'est cool, merci mille fois. Wouh ! Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Le parc de la Vanoise est traversé par 500 km de sentiers. Et apparemment, le bon plan ici dans la région, c'est de partir en randonnée au coucher de soleil. Et là, du coup, j'attends mon guide. Mon accompagnateur ce soir, c'est Stéphane, et il m'a parlé d'un lieu merveilleux. Salut, Sandy. Salut, Stéphane. Ça va ? Ça va, et toi ? Oh, attends, alors, magnifique ce panorama. Beau pays, hein ? C'est beau chez toi. Beau pays. C'est gentil, merci. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici ? Ben, en fait, c'est un des refuges donc, du parc de la Vanoise. Mm-hmm. D'accord ? Faut savoir qu'il y en a une cinquantaine. Et ce qui permet justement de faire des tours complets de la calotte glaciaire qu'on a juste au-dessus. Et je voulais te proposer justement d'aller en direction de ce glacier. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous à 17h30 pour le coucher de soleil ? Ben, le coucher de soleil, oui. Mais également parce que les sentiers ne sont plus fréquentés en fin de journée. Forcément, tout le monde est rentré au village. Donc les animaux sont beaucoup plus tranquilles. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'en plein midi, en fait, ils n'ont aucune activité. Mmh. Ils ne se nourrissent plus, ils s'allongent en général à l'ombre des rochers. Donc du coup, si on a la chance de voir des chamois, c'est vraiment dans ces moments-là. Tiens, regarde là-bas, après les petits arbustes, un chamois. Ah oui, je le vois. Oh. Il y a des chevreuils juste là, regarde. Là, je pensais que c'était qu'en forêt, je ne m'attendais pas à en voir en montagne. Ben, en fait, ils montent doucement, mais c'est un habitat qu'ils aiment beaucoup. C'est beau ces couleurs sur le glacier là. Et est-ce que tu connais le nom de ce glacier justement ? Non, tu vas me le dire. Eh bien, il s'appelle le glacier du Génépi.
Tu connais le genépi, tu auras forcément entendu parler de cette c'est petite fleur. C'est une fleur qu'on trouve en montagne, tu crois? Tout à fait, qui pousse au pied même des glaciers. Et du coup, on en fait une fameuse liqueur. Et je t'en ai amené. Parce qu'à Pralognan, on a la chance d'avoir la liquoristerie de la Vanoise. On va se faire un petit pot. Exactement. Là-haut. Et je t'ai amené des petits biscuits. Mmh. Et voilà. Bon, allez. À la tienne. Allez. À boire avec modération, bien sûr. Ainsi s'achève mon immersion à Pralognan-la-Vanoise, en espérant vous avoir donné des envies de grand air, de sport et de nature. Restez au top. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans les Alpes, bien sûr.